Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples : Passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ? Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : Silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ? Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux : Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?
acclamons la parole de Dieu.